Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, comme vous pouvez le voir donc dans le titre de la vidéo, je vous reviens pour la suite de mes collections vernis. Et aujourd'hui, ça sera donc mes vernis Formula X. Donc j'en ai quand même pas mal. Alors déjà, je vais vous montrer les trois lots parce que j'ai un lot de petits vernis. Vous savez, je les ai trouvés de toute façon, hein, on va pas se cacher. Je les ai achetés à Noz et vous les avez vu passer dans mes hauls Noz. Vous savez, les fameux à 2,99 €. Donc c'était, il y en avait 4 de 3 ml chacun. Vous voyez, je les ai pas, ceux-là, je les ai pas encore ressortis. D'ailleurs, je vais le faire sous vos yeux. Non, je n'y arrive pas, c'est pas grave. Merci. Péter la manucure, mais c'est pas grave. Donc vous avez ce kit là où il y a le champ de brillance, donc c'est le 4, le 3 c'est le pyrotechnique, le 2 c'est le prime préparer et le 1 le cleanse, le nettoyeur. Voilà, donc j'ai cette gamme là. Alors vous savez, c'est les fameux qui après on les enlève comme ça, ça fait, ils ont des petits bouchons séparés. Voilà, doucement. Ensuite, de la même gamme, entre guillemets, là, comme ceci, où il y en a 4, j'ai cela. Donc, il y a le Ignite, pyrotechnique de nouveau, le Trailing et le White Meter. Voilà. Ils reviennent de temps en temps à... à Facebook, non mais n'importe quoi. Je vous dis qu'il faut vraiment que j'aille au lit. Annonce, ils reviennent de temps en temps les Formula X, donc n'hésitez pas parce qu'ils sont très bien. D'ailleurs là, la manucure que j'ai, c'est deux que je vais vous présenter ben, après, de Formula X, et ils tiennent relativement bien. Enfin, moi je trouve. Un petit peu liquide le bleu là que j'ai mis. Il y en a certains qui sont un peu liquides, mais les autres un peu moins. Et ensuite là, c'était la All Star, c'était les éditions All Star, la bleue comme ça. Et donc il y a le Out of Sight, pyrotechnique de nouveau, je l'aurais en plusieurs fois quoi. Le White Matter aussi et le Océanique. Océanique, pardon. Louche. Voilà. Mais bon, comme c'est des packs, on ne peut pas prendre que l'un ou l'autre. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour les packs. Ensuite j'ai pris un prime, donc une base qui était en 49. Donc voilà, mais comme j'en avais une autre, je ne l'ai pas encore utilisée celle-ci. Donc je ne peux pas vous dire là. Elle c'était en 12 ml. Voilà. Et ensuite des... Ah si, il y a celui-là aussi, que ça c'est un vernis, c'est une couche de finition. Donc transparent, basique. En 12 ml aussi. Et donc, je vous disais, après, vraiment, un vernis Formula X version comme ça, là, à 1,49 €, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai 16 en tout. Je vais vous montrer déjà ceux qui sont un peu particuliers, que je porte d'ailleurs là. Donc, c'est pas le bleu, c'est celui qui est par-dessus. J'ai mis par-dessus le bleu. Donc, ça fait des paillettes noires et... noir et blanche, donc c'est celui-ci. C'est le chaotique. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà. Ensuite, il y a le même, mais les paillettes sont noires et bleu vert canard. Voilà. C'est le turbulent. Excusez-moi pour l'anglais. Je ne sais pas. Donc ils sont tous en 12 ml. Et celui-ci, alors c'est un effet vraiment pailleté. Alors entre le doré et l'argenté, il est vraiment magnifique. Alors ce qui est bien dans les Formula X, c'est que, je ne sais pas si vous entendez, il y a une petite bille dedans. Et ça, c'est super sympa. Mais il est canon celui-là. Il est vraiment canon. Et c'est le Sparkle Bomb. Voilà. Ensuite, dans les teintes bleues, j'en ai deux. Donc, un que je porte, là, le bleu que je porte, c'est donc cette teinte-là, qui est très très jolie pour l'été, pour les beaux jours et tout.
C'est le Infatuated. Désolée pour mon anglais. Enfin, mon accent surtout. Et le très très beau bleu roi comme ceci, là, il est magnifique. C'est le donc le océanique que j'ai en gros. Mais comme souvent je porte du bleu roi, j'aime bien en mettre souvent sur les ongles, plus l'hiver que l'été. Mais enfin. Ensuite, on passe dans les tons un petit peu plus hiver, automne. Tout d'abord, il y a Attends, le c'est ça. noir, le indémodable. J'en ai pas beaucoup des noirs, donc vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc c'est le Dark Matter. Non. Ah, mais il y a la petite main là qui est à côté à chaque fois. Maman, il faut que je la mette aussi. D'ailleurs, je n'en ai pas mis cette fois-ci. Là, c'est un genre de violet. Mauve, ouais. Très, très joli. C'est le dramatique. Qui est sympa comme tout. Et ça, c'est un petit top. Et, par contre, il faut penser souvent à les secouer parce que sinon. Donc, c'est un petit top. Et c'est le intrigue. Vous voyez cette teinte là qui est très jolie, j'aime bien là pour l'hiver, c'est sympa. Vous mettez du noir à celui-là et ensuite du taupe aux autres, ça fait super beau. Voilà. Ensuite, dans les teintes beaucoup plus pastel, on va dire, alors là aussi il y en a un, il faut le secouer à mort parce qu'il il a une couleur chelou là si je vous la montre comme ça. Bref. Tout d'abord, un corail assez prononcé. C'est le punchline. Donc, cette teinte-là qui est très très jolie là pour l'été. Franchement, Nouveau c'est des vraiment des. Sont vraiment des couleurs tout à fait de saison. Et donc, c'est le punchline, là, comme je vous ai dit. un charme. Voilà, elle essaye de dire, c'est comique. Ensuite, c'est un peu. Allez, ça se retable. Je vais vous les montrer à côté parce que vous allez me dire sinon que c'est des trois mêmes. Mais non. Voilà, vous voyez bien la différence de teinte, mais c'est vrai que quand on les prend une par une, on dirait que c'est la même. Hein. Donc tout d'abord, celle-ci qui est la Exhilarating. Ouais, à tes souhaits quoi. Donc cette teinte-là qui est très très jolie, c'est quand même, ça fait effet nude quand même. Elle est très très belle, donc tout à 1,49, enfin annonce, puisque après on peut les retrouver apparemment chez Sephora, mais bon, moi je les ai jamais vus. Mais ils sont très chers. Celui-ci, c'est le Emma, 2 secondes. Le Intensity, donc qui est très très joli aussi. Ça fait un rose bébé là, très très beau. Jean bébé. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils ont marqué Intensity parce que justement, c'est pas une couleur intense qu'on en fait, c'est pas grave. Et donc celui-ci, qui est une très très belle couleur aussi, un corail mais beaucoup plus léger, beaucoup plus, qui est le Alive. Voilà. Et on va finir avec la gamme des rouges. Nous. Me doutais. Alors, on va commencer par le rouge le plus foncé. Et on va aller vers le plus clair. Donc, le rouge le plus foncé. Alors, je vous montre la gamme. Attendez. Hein. Voilà, ça donne ça. Donc, le rouge le Le plus foncé, donc c'est le Ignite. Qui est comme ça, qui est quand même très très foncé. C'est vraiment un rouge sans limite, hein, vraiment, mais il est très très beau. Ensuite, vous avez le Curiosity, qui est un rouge quand même assez soutenu, mais encore un peu foncé. Le Pyrotechnique, donc que j'avais dans les petits lots, mais il est tellement beau celui-là. C'est vraiment le rouge, on va dire, le rouge passion, quoi, là. Et vous avez un rouge, comment dire ça? Rouge des roses, vous savez. Les roses rouges, voilà, c'est comme ça. Parce que vous voyez un poil plus clair à la caméra, mais. Et c'est le flashy. Voilà, là vous avez la véritable teinte. Mais moi, enfin, pour ce que j'ai pu en tester, je ne les ai pas tous testés. Fille, Elle maman. est ok, elle les a mis en ligne. Je vous le dis. Tiens, fini.
Ils sont pas mal du tout, la tenue est pas mal. J'ai fait ma manucure, et là au moment où je vous tourne, je l'avais fait hier matin. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Sachant que là on filme, on est en fin de journée. Donc bon, ça fait déjà plus d'un jour et demi que je l'ai. Elle a pas bougé pour l'instant. D'ailleurs, je tiens à dire que j'utilise, vous savez, le spray de chez Action, là, le vernis 60, enfin pour faire sécher le vernis en 60 secondes. Et je trouve que c'est pas mal. Par contre, si vous faites sécher comme ça une première couche que vous en remettez, attendez plus de 60 secondes quand vous refaites le pchit. Parce que là, par contre, vu qu'il y a plusieurs couches, ça a du mal. Voilà. Mais écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille sur notre chaîne. N'hésitez pas à envoyer une petite carte pour Emma. Ça lui ferait plaisir pour son baptême. Et Donc, il se papa fera le 8 juillet. Ou maman. envoyer une carte pour mon mari ou moi, nous aussi, ça nous ferait plaisir. Sinon, mais n'hésitez pas à venir me parler sur Facebook, sur Insta, par email. Je pense être quelqu'un d'assez simple pour que vous n'ayez pas peur de venir me parler. Ça sera avec plaisir. N'hésitez pas aussi, tous les liens sont en barre d'infos si vous voulez aller voir ma page de création, 1000 créations d'Emma, je fais des petits prix. Le parrainage Vinted ainsi que mon compte si vous voulez voir mes ventes. Je vends des petites choses d'elle quand elle était petite, des affaires à moi, mon mari, des petites décos, enfin voilà. Petit bébé. Oui. Et sinon, si vous voulez soutenir notre chaîne pour l'améliorer, n'hésitez pas à aller voir notre compte Tipeee. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye! Bye bye, Emma. Bye bye.